d'un barman, pas comme les autres. Toutes les semaines, je suis votre hôte. Bonjour, salut, comment vas-tu? Laisse-moi te raconter. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça va déjà assez mal, mes enfants, là, c'est effrayant. Avec la loi 101, là, tout le monde se chicane, ça va parler en anglais ou en français. C'est effrayant. Là, ils ont juste fait des sondages là, pour savoir ce qui marchait le plus, là, si c'était la langue anglaise ou langue française. Puis pour faire des sondages, dans le fond, la meilleure place, c'est où ce qui est le populo? Ils sont allés faire ça dans les tavernes. C'est vous ce qui marche le plus dans les tavernes? La langue dans le vinaigre. Hey, à part de ça, les nouvelles lois, là, c'est effrayant. Ils vont même vous donner des tickets. Si vous traversez un stop, vous n'avez pas d'affaire à traverser à pied, pour ça. Vous allez perdre des points, même perdre vos bottines. C'est incroyable. Là, ils ont arrêté Michel Girouard à mettre en bicycle à Gorgéline. Je savais qu'il finirait en bicycle à pédale. Oh. Regarde qui je t'amène. Pas Michel Gamache. Oui, la fête Gamache, c'est ça, les lignes. Mon auteur préféré! Comment ça va, Michel? Ça va bien, pour qu'est-ce qu'on fait, Michel? Un vieux jeune homme. Bon, Martel, bon, c'est quoi? Un Old Park. Un Old Park, c'est une bonne bière. Martel? Ça fait longtemps de pas plus une bonne bière? Ah, ça oui, trop bien. Un grand pas celle-là. Mais non, en fait, oh, en se content de faire de la drogue. Ce qui arrive? Ben oui. Hein? Sauvé Atlas. Bon. OK. Bon. Pas trop fort. Puis comment ça marche, mon cher? Ah, ça va bien. Ça a l'air bien aller. Ben oui. Je suis le bon? Ah, ben, bon, vous laissez faire. Tu laisses faire? Ouais. Ça dépend pour qui, ben oui. Hey, j'en ai une pour vous autres, là. Ouais. Mes cousines. Ouais, c'est un bonhomme qui revient de... Il vient à son dîner, son heure de lunch, il prend un petit coup, puis il dit à sa secrétaire, il dit... Je sens un petit peu de niaiser, là. J'ai pris un petit verre, puis je demande... Né, mademoiselle, là, moi, je vous donnerais 1 000 $, là, juste pour vous embrasser, là, les deux, vous savez, là. Le pare-choc, le pare-choc. Les pare-chocs. Ah, dit, monsieur, vous y pensez pas, moi, une jeune fille honnête. Non, oui. Non, c'est... 1 000 $? Oui, 1 000 $, mais écoutez... Juste pour les embrasser. Juste pour ça. Mais écoutez, là, ça qui vous passe, ça ira pas plus loin, c'est juste pour les embrasser. Ah ben, dans ce cas-là, elle se déshabille, puis l'embarque nu. Oh, mon Dieu! Ah, tout de suite, le gars. Mon grand Dieu, ils sont si beaux, ils sont si beaux. Ben, là, mon vrai, mon cadeau, là, tu continues, là. Oui, oui. Au bout d'une demi-heure, elle dit, monsieur, fait une demi-heure que vous voulez reluquer, que vous regardez, qu'est-ce que vous attendez pour les embrasser? Ben, j'aimerais bien ça les embrasser, mais il dit, j'ai pas de 1 000 $. Oh, non, non, non. Marcel! Comment ça va? Je trouve qu'il est engraissé un petit peu. Comment vous pesez, Marcel? Ma mère me dit encore, j'embellis en vieillissant. Comment vous pesez, vous, là? Ah! 140. Pas de blague! Non, la blague, 160. Bonne. Ah, qu'est-ce qu'il t'amène? Il va payer par l'ouvrir. Ah, ouais. Comment t'appelles ça? Un chat qui est sourd? Un chat qui est sourd? Un chat qui est sourd? Non. Minou! Voulez-vous fermer les portes, on va le poigner vivant? Oui. Oh, le curé de la paroisse chez nous, faut que je vous conte ça, mes enfants. T'es en train de parler en chair le dimanche. Il dit, mes bien chers paroissiens. Tu sais, c'est une vieille paroisse, nous autres, hein? Oui. Il dit, mes bien chers paroissiens, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer dimanche dans cette grande messe. Il dit, il paraît que depuis 15 jours, il y a une mauvaise fille qui est arrivée dans le village. Alors, si vous voulez, tout le monde ensemble, on va faire une prière pour elle. Sauver son âme. C'est ça. Mm-hmm. Mais il dit, attendez donc. Au lieu d'une prière, on va lui chanter un cantique. Parce que vous savez qu'un cantique vaut 2 prières. Ah, bon. Alors, il y a un bon vieux 80 qui s'est levé en arrière, puis il a commencé à chanter, « Ferré la voix! » Parlant de ça, toi qui vas à l'église maintenant, oui. Sais-tu que... Est-ce que tu te rappelles vraiment de tout ce que tu as fait quand tu avais le coude léger? Ah, ben, écoute... Tu t'en rappelles? Ben, pas tout ça. J'ai des nouvelles. Ça fait 2 ans que je travaille avec toi. Ça fait 2 ans que dans mes restaurants, j'ai rencontré au moins, plus que ça, au moins
100, non, 200, au moins 250 filles qui m'ont dit... Ça, c'est dans le temps, je sortais pas. Ah! Au moins 250, ils m'ont dit, bon, ils sortent Claude Blanchard, nous autres. Oui, on dort. Vous connaissez Claude? Ben oui, on le connaît, ton chum Claude. Hey, je sortais avec l'Allemand. On connaît l'Allemand. Je dis, comment l'Allemand? Ah, t'as su ça? J'ai su ça. Ben, les 250, et je te dis, les 250, il l'appelait l'Allemand. Ben oui. Remarque que j'ai jamais compris. Pourquoi il t'appelait l'Allemand? C'est parce que chaque fois que je faisais l'amour, je faisais fureur. Je regarde vous deux. Il y a le bonhomme ici qui se présente à Télé Métropole. Oui. Puis il parle un petit peu du nez. Il dit, il s'en va en direction, il m'a fait un petit peu de beaucoup de talent, de beaucoup de personnalité. Vous devrez travailler à Télé Métropole. Canal 10. Mais il dit, mon cher monsieur, vous parlez bien trop du nez, voyez pas ça, faire du théâtre, personne ne me comprend. Il dit, mon frère, opéré. Il revient la semaine suivante. Mon frère, monsieur, moi j'arrive de... Toronto. Toronto! Puis là, ils m'ont mis 20 grammes de main dans le nez. Ça m'a coûté 200 piastres à Toto, Ronto. Ronto! Je vais travailler pour Télé-Métropole. Vous devez voir mes honneurs. Il revient la semaine suivante. Mon frère, monsieur, mon Angéline, à Chichi, à Chicoutimi. Chicoutimi. Il y a Shawinigan, moi, 20 grammes de même, 200 piastres à Shawinigan, 200 piastres à Toto, Toronto. Toronto. Il revient la semaine suivante. Oui. Mon frère, monsieur, moi, Janine, à Jojo. Jean-Pierre. Jean-Jérôme. Là, mais il revient la semaine suivante, moi, Janine, à toi. Topstall, Trois-Rivières. Dizes Koumen. Ils m'ont mis de 20 grammes de main dans le nez. Arrive à Toto, à Chichi, c'est l'envers. C'est mieux de garder des perfis, mon frère. Du coudon, mon ami, il dit, avez-vous déjà essayé de vous moucher? Le gars, il s'est mouché, puis il travaille ici. Son nom, c'est Claude Blanchard. Thank you.